Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Julien, je suis bricoleur amateur et passionné d'outillage. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette nouvelle machine de chez Ryobi. Il s'agit de la RPD18X, donc une visseuse perceuse à percussion dans la nouvelle gamme OnePlus HP. Elle a des caractéristiques qui sont plutôt impressionnantes. Elle a un moteur brushless, un mandrin métal de 13 mm et une force de serrage de 95 Nm. Ça en fait d'elle une machine vraiment puissante qui se place tout en haut de la hiérarchie des perceuses-visseuses chez Ryobi. Cette machine est livrée dans une boîte en carton avec sa notice et ses accessoires. Vous aurez un clip ceinture, un embout de vissage plat et cruciforme et bien évidemment une poignée pour vous aider à la maintenir parce qu'elle a 95 Nm, donc on va pouvoir faire des serrages qui sont plutôt intenses. Et dans ce cas-là, l'utilisation d'une poignée est fortement recommandée. La machine, un petit peu plus en détail, elle pèse 2 kg lorsqu'elle est équipée d'une batterie 5 A, ce qui reste raisonnable pour une machine qui affiche des caractéristiques comme celle-ci. Elle fait partie de la gamme OnePlus HP, mais reste compatible avec toutes les batteries Ryobi OnePlus. Sur la machine, on retrouve un éclairage LED qui va éclairer la zone de travail qui se déclenche lorsqu'on appuie sur la gâchette. On a la poignée Grip Zone, habituellement présente sur toutes les machines Ryobi pour un meilleur confort et un meilleur maintien de la machine. Elle est équipée de 2 vitesses avec ce sélecteur qui va vous permettre de changer vitesse 1, vitesse 2. Elle possède un mandrin métallique autosserrant de 13 mm ainsi qu'un sélecteur de couple allant jusqu'à la position 22. Ensuite, vous passez en position perçage et là, perçage avec percussion. Pour installer la poignée, il faudra d'abord la dévisser pour l'écarter légèrement. Ensuite, faire correspondre les ergos qui sont ici avec les emplacements sur la machine. On l'insère sur la machine, on la maintient, on la serre et là la poignée elle est en place, elle est prête à être utilisée. Vous pourrez donc bien évidemment utiliser cette machine pour effectuer tous vos vissages courants de faible diamètre, mais également pour des vissages plus intensifs. Avec cette perceuse et notamment sa fonction percussion, vous pourrez facilement percer tout type de matériaux. J'ai donc utilisé cette machine pendant plusieurs semaines dans le cadre de ma rénovation et je dois dire que je suis plutôt impressionné par sa puissance, notamment pour les perçages avec percussion. Je trouve que la machine elle est vraiment confortable à utiliser et notamment grâce à son poids de seulement 2 kg pour ses caractéristiques là, je trouve ça pas énorme et c'est vraiment un vrai confort d'utilisation. Pour tous les travaux de vissage, aucun problème, elle est vraiment puissante avec 95 Nm de force de serrage, forcément on va pouvoir visser facilement. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne machine, une réussite dans cette nouvelle gamme OnePlus HP de chez Ryobi. La poignée qui est fournie avec la machine, elle est vraiment pas superflue, notamment quand on fait des vissages qui sont intensifs, compliqués, dans du bois dur. Et enfin, en termes de consommation d'énergie, je trouve la machine aussi très correcte à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une machine que je trouve vraiment très intéressante. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la fiche technique sur le site de Ryobi.